Aux premières heures du vote de ce dimanche jusqu'à 13h ce même jour, l'affluence sur nombreux sites et plusieurs bureaux de vote était encore faible. Ce n'est que dans l'après-midi que grand nombre d'électeurs ont commencé à investir peu à peu leur lieu de vote respectif, comme ici au groupe scolaire du Lacro. Matin, je travaillais. Donc c'est dans l'après-midi que j'ai donné le véhicule à un ami. Et bon, je suis venu voter. Le matin, je puisse aller rendre gloire à mon Dieu d'abord. Après mon Dieu, le reste, c'est pour cela. Et puis bon matin, il y a les embouteillages, je n'aime pas ça. La question du vote effectif et du taux de participation est réapparue dans toute sa vérité à l'ouverture du scrutin. Les états-majors et les candidats eux-mêmes ont pu se faire une idée de cette réalité. Je demeure confiant. Attendons la fin ou de la fermeture des bureaux de vote pour tirer les conclusions du niveau de participation de nos concitoyens à cette consultation électorale. C'est une compétition fraternelle. Maintenant, quant à ce qui va se passer, ben, c'est le rêve de nous restons d'être les alliés, mais chaque parti a ses ambitions. Notre ambition, c'est de faire grandir notre parti et c'est ce que nous nous attelons à faire en restant les alliés au PDCI. Pour les municipales à Bengoro, 4 candidats auront à se partager le suffrage de plus de 30 000 électeurs. Et de l'avis des analystes et observateurs, ce scrutin devrait s'achever avec un faible taux de participation.